Vous rêvez de prendre un bain dans une baignoire confortable? Voici mes conseils pour trouver le modèle idéal. Et oui, de nos jours, on peut avoir une baignoire dans une petite comme dans une grande salle de bain. Vous ne me croyez pas? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous verrez, vous aurez changé d'avis. La baignoire est le must-have bien-être de nos salles de bain. Donc, même si votre pièce d'eau est très petite, exiguë, pleine de recoins ou sous les combles, ce n'est pas une raison pour renoncer au fameux bain relaxant. Dans cette vidéo, on va parler plan, faire un tour des solutions et surtout, je vais vous délivrer mes conseils déco pour réussir à l'intégrer. La nécessité de faire des plans. Vous rêvez d'une baignoire dans votre salle d'eau? Pas de panique! Avec un peu de préparation, vous allez pouvoir profiter d'un bain moussant, même dans un petit espace. Imaginez-vous au sein de votre salle de bain, plongé dans un bon bain chaud pour lire votre livre préféré en savourant un délicieux verre de vin. Quelle vision géniale, n'est-ce pas? Rien que d'y penser, je suis à deux doigts de vous quitter. Cette scène de film peut devenir votre quotidien en adoptant une baignoire. Alors, en premier, on commence par bien réfléchir à l'emplacement de la future baignoire. Vous pouvez alors compter sur le configurateur 3D du site EspaceAuBad. C'est un outil très simple pour faire des essais et visualiser le résultat avant de se lancer dans les travaux. Mais avant ça, je vous conseille de prendre les mesures de votre pièce en tenant compte des ouvertures, fenêtres, portes. Pour définir l'emplacement de votre baignoire, gardez en tête que même dans une petite salle de bain, il est important d'avoir un peu d'espace pour circuler. Je vous recommande de prévoir au minimum 60 cm devant la baignoire. Ça donnera l'impression que votre pièce est plus spacieuse. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, on sera ravis de vous répondre. Les solutions qui s'offrent à vous. La partie préparation c'est fait, on va maintenant voir à quel type de baignoire vous pouvez prétendre. Allez, on les passe en revue? Pour commencer, la baignoire asymétrique. La baignoire asymétrique, une merveille pour les pièces dont la forme change un peu de l'ordinaire. Cette baignoire viendra s'adapter à la forme de votre pièce. Vous avez du mal à me croire? Regardez par exemple la baignoire micro-méga duo de Jacob Delafont. Elle est très facile à intégrer dans les ambiances décoratives et franchement, je craque complètement pour ses finitions. La baignoire îlot ou semi-îlot. Vous savez, c'est la fameuse baignoire qui trône au centre de la salle de bain. La baignoire îlot s'avère être une excellente solution quand vous avez de la place. À ce niveau, je vous recommande la Marine d'Aubat Création. C'est un bijou pour la salle de bain et un investissement raisonnable pour son portefeuille. En plus d'être résistante aux impacts, son isolation phonique réduit le bruit de l'eau quand vous le remplissez. C'est l'isolation thermique qui intervient pour maintenir le bain chaud. Elle allie élégance, originalité et confort. Bref, on l'adore! Vous rêvez d'une baignoire îlot et vous n'avez pas assez de place? Pas de panique, pas de stress! Pour les pièces de taille moyenne, il existe aussi la baignoire semi-îlot qui s'installe le long d'un mur. L'un des côtés est plus fin que l'autre, ce qui explique ce gain de place. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que la marque Vigour a la solution idéale pour vous. Voici Derbystyle, une baignoire qui laisse s'exprimer, une cuve au bord arrondi, à la fois douce et belle. Elle est design, mais reste compacte pour vous aider à libérer le centre de la pièce. La baignoire d'angle, maintenant. Certaines configurations nécessitent un peu d'agilité pour ce qui est de l'emplacement. Avec ce type de modèle, vous allez pouvoir gagner de la place en habillant un angle. La preuve avec l'Anaya de Leda. C'est plus qu'une baignoire, c'est un objet de déco et de détente. La baignoire Balnéo. Avouez qu'après une longue journée, un bain à bulles chaud et massant, ça fait rêver. Eh bien, avec la baignoire Balnéo, c'est maintenant possible. Elle vous fait profiter de massages, de soins lumineux et surtout d'un super espace pour vous détendre. Grand Forme vous propose Saphir 5, une baignoire Balnéo capable d'accueillir jusqu'à 2 personnes. L'occasion parfaite de profiter d'une soirée romantique. Les soins et le bain à remous se font silencieusement avec un large choix de programmes. En gros, vous pouvez personnaliser vos séances sans vous soucier de l'entretien. Comment est-ce possible, me diriez-vous? Simplement parce que ce sanitaire possède la désinfection à l'ozone et l'assèchement automatique. Du plaisir jusqu'au bout. Une baignoire bain-douche peut être également un bon compromis. Elle associe le confort d'une baignoire avec la fonctionnalité d'une douche. D'ailleurs, la zone de douche est plutôt spacieuse. On peut se doucher sans se cogner et la salle de bain est protégée des éclaboussures par de belles parois. Côté bain, tout est prévu pour vous relaxer. La longueur réduite de la baignoire est compensée par le haut niveau d'eau. Pratique et efficace, cette solution 2-en-1 est parfaite pour varier les plaisirs. Avec ou sans enfants, jeunes ou seniors, cette solution durable s'adapte à tous. Les baignoires pour petites salles de bain. Si les modèles précédents ne conviennent pas forcément à des petites salles de bain, sachez qu'il existe d'autres solutions. Vous pouvez par exemple miser sur une baignoire carrée ou ronde. Ce sont des modèles très design étudiés pour des pièces exiguës. Il y a aussi la baignoire sabot, la solution gain de place par excellence.
Elle est réduite en longueur, mais le compense avec une plus grande profondeur par rapport à une baignoire traditionnelle. Son confort est équivalent, son utilisation par contre est différente, puisque dans sa cuve, on reste surtout assis. Et vous, quand vous pensez à ce moment privilégié, que voyez-vous? Une grande baignoire d'angle, une jolie baignoire îlot ou la traditionnelle baignoire rectangulaire? Les marques prennent plaisir à inventer et réinventer cet accessoire, au point qu'il est devenu aussi pratique que décoratif. Les modèles s'embellissent, ils s'étirent, ils prennent des formes originales et finalement ils deviennent presque la vedette de la pièce. Alors dur de faire un choix parfois et encore plus d'y renoncer. Conseil déco. Et si on parlait un peu plus de la décoration? Comment fait-on pour que ce sanitaire pratique et confortable devienne un atout décoratif? Attrapez vos carnets, prenez des notes, je vais vous délivrer toutes mes astuces. Définir la taille de sa baignoire. Définir la matière, c'est très bien. Mais il faut aussi choisir la taille de sa future baignoire et ce critère dépend évidemment de la superficie de votre pièce. Pour vous aider à vous rendre compte, voici les différentes dimensions disponibles sur le marché. La baignoire rectangulaire mesure environ 170 par 75 cm, mais elle est aussi disponible dans un format de 180 par 80 cm. Elle se glisse facilement dans tous les types de salles de bain. Du côté de la baignoire d'angle, les dimensions varient de 140 par 140 cm à 150 par 150 cm. Ce format prend plus de place, évidemment, il ne convient pas à toutes les pièces. Si vous souhaitez ajouter une baignoire d'angle dans votre salle d'eau, optez pour une baignoire rectangulaire que vous placez le long des murs dans un coin. La baignoire asymétrique possède un large panel de formats et de tailles. Sa forme atypique en est la raison principale, sans surprise. Les dimensions les plus répandues sont 170 par 90 cm ou encore 150 par 90 cm. Vous voyez, niveau taille, il y en a pour tous les goûts. Dans cette catégorie, on ajoutera également les baignoires originales et presque futuristes, comme la baignoire suspendue. Elle semble léviter au-dessus du sol. Prêtez attention à la couleur. On a parlé de la taille, et si on évoquait aussi la couleur? En règle générale, la baignoire s'habille de blanc, notamment pour les petits espaces. Mais vous pouvez aussi la trouver dans d'autres teintes. La baignoire noire, par exemple, s'accompagne volontiers d'un carrelage imitation pierre pour un côté design ou des revêtements haut de gamme, comme le marbre pour un aspect plus zen. Si vous restez sur la traditionnelle baignoire blanche, vous pouvez la sublimer par une robinetterie noire mate, voire cuivrée, ou encore un tablier élégant. Justement, le tablier, parlons-en. Il masque la cuve de la baignoire pour la rendre plus décorative. Sur le tablier, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Du carrelage coloré, par exemple. Ou vous tournez vers un effet de matière comme l'imitation bois. Plus qu'un simple revêtement, le tablier joue un rôle très important au niveau de la décoration. Personnellement, j'adore l'idée de le personnaliser. Rien de mieux pour l'adapter au style final souhaité. Un besoin particulier? Regardez la L de Jacob Delafont. J'ai encore plein de conseils à vous donner sur l'emplacement de la baignoire. Si votre salle de bain est plutôt longue et étroite, installez votre baignoire au fond de la pièce pour économiser de l'espace. Par contre, dans la grande salle de bain, tout est possible. On peut mettre la baignoire au milieu, le long d'un mur, dans un coin, peu importe. Les baignoires adaptées aux petits espaces. Avouons-le, la baignoire, même si elle prend plus de place qu'une douche, reste dans l'inconscient collectif un objet de désir et surtout de confort. Alors pourquoi s'en priver quand on sait qu'il existe aujourd'hui des baignoires étudiées spécifiquement pour répondre aux contraintes des petites surfaces ou des configurations peu communes? Désormais, les baignoires dites « gains de place » ne se limitent plus aux baignoires sabots d'antan. Les modèles rivalisent entre eux pour vous faire gagner des centimètres et halte aux idées reçues! Bien souvent, malgré leur petite taille, elles présentent tous les avantages des grandes. Voici différents exemples de produits gains de place, adaptés aux petites salles de bain et disponibles chez votre spécialiste Espace Obad. Capsule de Jacob Delafont. J'aime bien cette baignoire parce qu'elle est disponible en deux formats, 120 par 80 ou 140 par 90 cm. Son aménagement intelligent combine la protection d'un pare-baignoire et l'élégance d'une paroi de douche avec porte vitrée. Il s'agit d'une baignoire qui se transforme dès que vous le souhaitez en douche. D'ailleurs, le modèle présenté 140 par 90 cm permet même un bain à deux. Comme quoi, on peut vraiment tout se permettre dans une petite pièce d'eau. Java Angle de Leda. La baignoire symétrique Java affiche des dimensions intéressantes pour la création d'une petite salle de bain avec baignoire. Elle mesure 135 par 135 cm et vous propose un volume d'eau de 180 litres, des dimensions à la fois généreuses et confortables. Elle est une option idéale pour une utilisation familiale ou un moment de bien-être en solo. Avec une profondeur de 45 cm, vous êtes garanti d'être dans des conditions de bain optimales.
la baignoire, objet de convoitise et de détente par excellence dans la salle de bain. Elle prend soin de vous, elle décore et surtout elle est étudiée pour allier esthétisme et ergonomie. Comme vous avez pu le découvrir, de nos jours, tout est possible. Tout le monde peut l'adopter et profiter d'un bon bain relaxant. J'espère que je vous ai donné envie de l'adopter et de la choisir avec soin. Comme ça, elle fera prendre une toute autre dimension à votre salle de bain. D'ailleurs, n'oubliez pas que les conseillers Spasobad sont là pour vous aider à réussir vos projets. Alors prenez rendez-vous en ligne pour en discuter. Je pense vous avoir donné un maximum de conseils pour réussir à intégrer une baignoire dans votre salle de bain. Mais si vous voulez continuer à en profiter, je vous invite à vous abonner. J'ai encore plein d'idées à vous partager. Alors à bientôt pour d'autres conseils déco.